Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La première grande étape de montagne du Tour de France gagnée par un sprinter, Dietrich Thurau, le maillot jaune, la victoire de Björn Borg dans le tournoi de tennis de Wimbledon, la fin du congrès du syndicat national des instituteurs et enfin la réaffirmation par M. Barthes de la politique de défense nucléaire de la France, voilà les quatre grands titres de l'actualité de ce samedi 2 juillet. Auparavant toutefois, des images formidables. Pour la première fois dans l'histoire du sport mondial, une femme, a franchi la barre des 11 secondes aux 100 mètres. Elle s'appelle Marlies Ölsner, elle est allemande de l'Est et elle a couru le 100 mètres plat en 10 secondes et 88 centièmes. Cela se passait hier soir. Le précédent record appartenait à une allemande de l'Ouest, Richter, en 11 secondes et 4 centièmes. Marlies Ölsner, précisons-le, avait terminé dernière de la finale olympique à Montréal. À Wimbledon, c'est le plus fort, celui qui tape le plus dans la balle, celui qui court le plus sur le court et sur tous les points. En clair, c'est Björn Borg qui l'a emporté. La finale du tournoi du centenaire entre le Suédois Björn Borg et l'Américain Jimmy Connors a tenu ses promesses. Il ne s'agissait probablement pas du match du siècle, mais quel tennis tout de même durant 3h20. Un match d'une intensité exceptionnelle pour une grande finale entre Jimmy Connors, l'Américain, et Björn Borg, le Suédois reconnaissable à son bandeau. Connors débutait remarquablement cette rencontre, prenant une fois le service adverse pour gagner le premier set 6-3. Mais Borg allait servir comme jamais peut-être il n'avait servi, et cette arme, si efficace sur herbe, devait être pour lui déterminante. Jimmy Connors, l'an dernier, avait été éliminé en quart de finale par Roscoe Tanner en 3-7. Björn Borg avait, lui, gagné en finale, battant Ili Nastase en 3-7. Mais Connors et Borg s'étaient affrontés en finale de Forest Hills, et là, c'est Connors qui l'avait emporté en 4-7, arrachant ainsi le titre de numéro 1 mondial, un titre que Borg lui contestait d'ailleurs. Deuxième set, 6-2 pour Borg, qui avait pris deux services à Connors. Au service, c'est Björn Borg qui restait le plus percutant. Borg qui avait pour lui la plus grande partie des 15 000 spectateurs du central de Wimbledon, qui ne pardonnait pas à Connors une grave incorrection, celle de ne pas avoir assisté à la cérémonie qui réunissait les anciens vainqueurs de l'épreuve. Certains peuvent regretter un tennis plus délié, une époque où il y avait plus de subtilité, plus de toucher de balle dans les échanges, mais il y avait cet après-midi, dans la violence de l'affrontement, une beauté très âpre, fascinante aussi. Troisième set pour Borg, 6-1. Borg qui se montrait moins audacieux que l'Américain dans l'aventure vers le filet, mais qui délivrait en coup droit comme en revers de superbes passing shots comme celui que vous allez voir. Connors pourtant gagnait le quatrième set 7-5. Il était mené 4-0 au cinquième, revenait à 4 partout, mais à 5-4, il succombait sur la première des trois balles de match qui était au bénéfice du Suédois. Nouvelle victoire de Björn Borg, 22 ans, 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4. Quel spectacle, j'espère d'ailleurs que vous avez pu suivre en direct cet après-midi dans l'émission de Jean Lanzy, tout au long de l'après-midi, cette finale de Wimbledon, 3h20 de tennis tout à fait superbe. Une visite au pas de charge aujourd'hui pour M. Raymond Barre, chez les militaires de la force de frappe nucléaire. D'abord sur la base aérienne d'Orange, puis sur le site du plateau d'Albion. L'occasion donc pour M. Barre d'évoquer les problèmes, bien sûr, de la défense nucléaire, mais aussi de parler plus généralement de la situation politique française. Il n'y aura pas de vacances pour le gouvernement, a dit M. Barre. Dès le 1er septembre, le dispositif de lutte contre le chômage doit en effet être mis en place. Le sommet de la majorité, M. Barre trouve d'ailleurs cette appellation un peu prétentieuse, je souhaite, a déclaré le Premier ministre, que les formations de la majorité s'organisent en fonction de l'intérêt général. Mais donc ce voyage était surtout consacré aux grands problèmes de défense et ce fut l'occasion pour le Premier ministre de réaffirmer la position de la France en matière de dissuasion nucléaire. La force française de dissuasion n'est pas une force conçue en vue de l'agression. La force française de dissuasion a pour but d'assurer la défense de notre pays. Car un pays qui ne se défend pas, qui n'est pas capable de se défendre, n'a pas de politique. Or, nous avons une politique, nous avons besoin d'une politique, étant donné la situation de la France en Europe et dans le monde, et pour que nous puissions concevoir et appliquer cette politique qui doit être une politique d'indépendance, il nous faut des forces, qui ne soient pas, bien entendu, des forces gigantesques, mais des forces qui soient crédibles.
Alors je crois que, indépendamment du fait que le rayon d'action ne soit que 3500 km pour les missiles, il y a suffisamment de raisons pour penser que nous sommes capables de nous défendre et que les autres le croient. La France menacée se défendra. Sa défense sera décidée par les autorités françaises seules et par le président de la République, chef suprême des armées. Et les moyens de cette défense seront appréciés, selon les circonstances, par les autorités françaises. Le congrès du syndicat national des instituteurs, le SNI, est terminé. Un congrès dominé par les problèmes de l'enseignement libre et où le vote de ce que l'on a appelé la loi Germer a été violemment critiqué. Un congrès de mise au point aussi à 3 mois de l'application de la réforme de l'enseignement préparée par le ministre de l'Éducation, M. René Haby, et à 9 mois des élections législatives. Dernier avant l'application de la réforme Haby à la rentrée, dernier avant les législatives de 78, ce 50e congrès du SNI aura été celui de l'attente. Le SNI regroupe 85% des instituteurs et toutes les tendances de la gauche y sont représentées. Lorsqu'une organisation aussi puissante retient son souffle, cela mérite l'attention. La situation économique et politique du pays préoccupe les instituteurs. Ils dénoncent le plan Barre et ses effets sur le budget de l'éducation. Ils appellent de leur vœu la victoire de la gauche, mais ils préviennent, notre indépendance, c'est sacré. Notre tâche syndicale est précisément de faire que les résolutions, les motions qui ont été adoptées au cours de ce congrès soient portées à la connaissance des partis de gauche et que le rôle de ces partis de gauche est de faire que progressivement et par étapes, nous puissions enregistrer dans ce domaine des succès qui soient dans le sens de nos conceptions. Voilà très exactement le sens que nous apportons à l'indépendance syndicale. Parmi ces engagements de la gauche, la nationalisation de l'enseignement privé. Les instituteurs ne veulent pas entendre parler de guerre scolaire. Ce qu'ils reprochent notamment à la loi Germer sur l'aide au privé, c'est d'étrangler le budget de l'enseignement public dans un but électoraliste. Malheureusement, on fait de la nationalisation une caricature. On présente cela dans les milieux qui nous sont opposés comme un véritable épouvantail. Mais nous n'avons jamais fixé des délais très précis, des étapes précises, limitées dans le temps. C'est aussi autre chose, c'est la gestion tripartite qui est une garantie pour l'avenir. L'avenir immédiat, c'est la rentrée et la réforme Haby. Elle était l'objet du dernier débat cet après-midi. Les instituteurs n'en veulent pas telle qu'elle est, ils n'iront pas jusqu'à la grève, mais ils ont décidé de la contourner, de l'interpréter. Concrètement, ça signifie quoi ? Que pour les enfants de 6 ans, nous demandons à nos collègues de procéder dans leur façon de travailler comme ils ont fait jusqu'ici. Parce que c'est une sécurité par rapport aux imprécisions actuelles. Et au niveau de 6e, où les problèmes sont très sérieux, nous disons avec insistance, après avoir sonné le tocsin depuis 7 mois, il faut encore des moyens pour assurer un réel soutien, pour assurer un réel approfondissement. Il faut les donner rapidement, sinon nous serons contraints d'appliquer une façon de faire qui ne tiendra pas compte des dispositions de M. Haby. Alors justement, M. Haby, les supporters de votre réforme ne sont guère nombreux, on vient encore de le constater au congrès du SNI. Vous ne craignez pas que devant cette opposition, votre réforme, la réforme Haby, se transporte rapidement en illusion de réforme ? Vous savez, hein, une réforme de l'éducation, ce n'est pas une performance sportive. Je ne suis pas John Borg, peut-être malheureusement, et je n'ai pas besoin de supporters. Et je ne crois pas qu'on puisse traiter le problème de cette façon. Une réforme voulue par le Parlement, voulue par la nation, et dont je remarque d'ailleurs que les données de base ne sont pas contestées. Et je crois quelque chose de trop sérieux pour qu'on puisse la traduire en termes de supporters ou de partisans. Vous ne pouvez tout de même pas l'appliquer contre les enseignants. Je n'ai pas l'intention de l'appliquer contre les enseignants. Je reste persuadé que les enseignants sont conscients de leur responsabilité dans cette affaire. Je suis un peu surpris quand j'entends par exemple M. Guy Georges dire que
Maintenir ce qui existe au cours préparatoire, c'est une sécurité. C'est, je crois, la définition même du conservatisme. Et ça m'étonne tout de même qu'il se maintienne sur une position aussi négative. Quant à la sixième, il a souligné lui-même une préoccupation, mais que je rejoins, c'est-à-dire d'avoir la possibilité pour certaines, précisément, innovations dans la réforme dont il a parlé lui-même, le soutien, l'approfondissement, sont tout de même des mots qui sont inventés et qui sont dans cette réforme des collèges. Il faut davantage de moyens. Si c'est un problème de moyens, nous pouvons, je crois, arriver à des compromis dans l'espoir manifesté par le syndicat des instituteurs que le futur gouvernement apporterait tous les moyens promis. Mais je crois qu'en attendant, le problème est de donner aux enfants qui seront à la porte des écoles le 15 septembre une scolarité normale. Justement, l'un des reproches qui est également fait à votre réforme, c'est finalement de vouloir créer une égalité dans une société qui est à la base foncièrement inégalitaire. Oui, j'ai vu les théories de certains journalistes engagés à ce sujet. Je ne crois pas que ce soit l'opinion de l'ensemble des Français. Je vois beaucoup de parents, je vois beaucoup de braves gens, des gens tout simples, qui ne vont pas vraiment aussi loin dans l'analyse que les spécialistes que vous indiquez. Une société inégalitaire, une société égalitaire, qui peut donner de façon précise des exemples dans le monde actuel de ce que sont de telles sociétés? Je crois que l'école française a été conçue pour donner à nos jeunes la possibilité, la capacité de se présenter dans la vie. La vie, ce sont eux qui la feront lorsqu'ils seront adultes, avec leur bulletin de vote, avec leur position. Nous n'avons pas, nous, à juger d'une société ce qu'elle est ou ce qu'elle ne sera pas. Et je crois que tous les parents sont d'accord, quelles que soient leurs opinions politiques, sur la nécessité d'une formation scolaire de bon niveau, sans, je crois, se poser trop de problèmes sur la nature exacte de la société dans laquelle cette école existe. Enfin, la réaction des parents d'élèves en ce moment, c'est aussi de dire une réforme, encore une réforme, toujours une réforme. Depuis des années, on réforme l'enseignement. Vous ne pensez pas que c'est une réforme de trop et que les Français sont fatigués de ce genre de réforme? Je suis persuadé que ceux qui disent ça sont ceux qui ne connaissent pas la réalité des choses. Et je crois les parents d'élèves trop bien informés, tout au moins leurs dirigeants, pour pouvoir le prétendre. Il y a eu, en tout et pour tout, une réforme importante de la scolarité depuis la guerre. Il y a eu les multiples réformes du bac. Ce n'est pas une réforme du bac. Le fait qu'on passe l'écrit de telle façon ou l'oral de telle façon, ce n'est pas du tout une réforme fondamentale qui met en cause l'existence du système éducatif lui-même. Alors, il y a eu une première réforme des collèges qui n'a pas encore abouti au collège unique, mais qui a déjà rapproché des certains types de formations sous le même toit. C'était les créations des CES en 1962. Nous faisons aujourd'hui le deuxième pas. Mais ce n'est pas le 20e ou le 100e. Nous faisons aujourd'hui le deuxième pas en mettant sous ce toit unique un collège unique, c'est-à-dire une même école pour tous les enfants entre 11 et 15 ans. C'est, je crois, quelque chose qui ne se multiplie pas tous les ans. Et en réalité, je crois que l'importance des oppositions face à cette proposition gouvernementale et législative, c'est précisément parce qu'on sait que c'est une réforme profonde, ce n'est pas une réformette. Et je crois qu'en réalité, tout le monde sent le besoin d'une transformation de notre éducation pour l'adapter à l'an 2000 qui arrive. Je serais curieux de connaître d'autres solutions que celles qui ont été proposées par mon administration et par moi-même. Je ne constate pas que ceux qui critiquent ce que je propose proposent eux-mêmes autre chose. Et c'est là-dessus, je crois, que finalement, nous devrons tous nous mettre d'accord. Il faut faire quelque chose pour que ce soit mieux. Et le collège unique, c'est nettement mieux que ce qui existe actuellement. Rapidement, Monsieur le ministre, une dernière question. Vous avez soutenu la proposition de loi de Monsieur Germer, le député du Finistère, sur l'enseignement libre au risque, dit-on, de rallumer la guerre scolaire. Vous auriez soutenu cette proposition si les élections municipales, notamment en Bretagne, pays traditionnellement attaché à la liberté de l'enseignement scolaire, n'avaient pas montré un certain virage lors des élections? Au contraire, c'est pas votre argumentation elle-même donne la réponse. La Bretagne, que je sache, n'a pas donné au gouvernement une avance considérable lors des dernières élections municipales. Est-ce que vous n'essayez pas de rattraper des électeurs qui vous auraient peut-être On ne rattrape pas des électeurs. On ne rattrape pas des électeurs avec des décisions de ce genre. Il y a peut-être des décisions électoralistes, je n'en sais rien. En réalité, cette guerre scolaire a été rallumée de façon extrêmement malheureuse par certains députés du Parti Socialiste, peut-être même par certains syndicalistes de l'enseignement. Voici quelques mois, lorsque, après les élections municipales, en se croyant en position très forte, ils ont pu ouvrir sur le programme commun, sur leur projet, des fenêtres un petit peu plus larges, un petit peu plus claires, un petit peu plus précises que celles qui étaient ouvertes jusque-là. Et c'est de cette malheureuse initiative, affirmant aux yeux de la France entière
que l'enseignement privé serait nationalisé et à brève échéance, qui est née, si vous voulez, une certaine forme d'inquiétude. Et cette forme d'inquiétude, elle est, croyez-moi, aussi bien chez les parents qui voteront pour le Parti Socialiste ou le Parti Communiste que chez ceux qui voteront pour la majorité. Le désir d'une liberté de l'enseignement, il est partagé par des couches sociales et des couches politiques extrêmement différentes. Je crois qu'on y a répondu, mais précisément parce qu'on avait inquiété ces couches, ce n'était pas le gouvernement qui l'avait fait. Merci bien. Comme Saint Thomas, tous les observateurs voulaient le voir, eh bien, ils l'ont vu cet après-midi. Le maréchal Idi Amin Dada est arrivé à Libreville, la capitale du Gabon, afin de participer à la réunion de l'Organisation de l'Unité Africaine. Cette arrivée, le président Garnet, était invisible, vous le savez, depuis plusieurs semaines, et cela prouve qu'il s'est bel et bien sorti à son avantage de la tentative de complot menée contre lui il y a quelques jours en Ouganda. Les chefs d'État ou de gouvernement, en tous les cas des 49 États africains membres de l'OUA, sont maintenant arrivés au Gabon. La conférence va commencer. Elle ne manquera pas de sujet de réflexion. 14e sommet donc de cette organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui pourtant cette fois promet d'être quelque peu agité. Il y a en effet parmi les 30 chefs d'État présents depuis ce matin à Libreville, un certain nombre de représentants qui sont bien décidés à ce que l'on discute de leurs propres problèmes. Il s'agit en fait d'exposer publiquement les conflits de frontières qui opposent un certain nombre de ces pays africains. Ainsi, cet après-midi, dès l'ouverture de la conférence, le Tchad a déposé une plainte contre la Libye pour agression et occupation de territoire. D'autres reprochent à leurs voisins d'héberger des mouvements révolutionnaires qui pourraient les menacer. Il y a enfin le problème du Sahara occidental, sur lequel personne au sein de l'OUA n'a encore réussi à se mettre d'accord. Ce qui fait dire à chacun que la proposition présentée par le Sénégal, une résolution demandant à tous les États africains d'éviter de recourir aux interventions étrangères pour régler leurs problèmes intérieurs, sera peut-être adoptée, mais avec peu de chances de se réaliser concrètement sur le terrain. L'un des grands sujets traités lors de cette conférence, ce sera donc le différend qui oppose le Tchad à la Libye. Le Tchad accuse en effet le gouvernement du colonel Kadhafi de soutenir les rebelles Toubou, ces rebelles qui avaient enlevé, il y a plusieurs années maintenant, Madame Clostre, et même d'occuper une partie du territoire tchadien. La Libye conteste bien sûr la thèse du gouvernement de N'Djamena. Un élément toutefois à ajouter dans ce dossier, les rebelles Toubou ont lancé une offensive contre les postes tenus par l'armée nationale tchadienne dans le nord du pays, et cela depuis plusieurs jours maintenant. Voici les rebelles Toubou que le gouvernement du Tchad accuse d'être armés par les Libyens, les Toubou dont on a beaucoup parlé du temps où ils gardaient Madame Clostre en captivité. En fait, ils sont maîtres de presque tout le désert du Tibesti, sauf 5 palmeraies. Et justement, pour fêter l'anniversaire du Frolima, le front de libération qu'ils ont fondé il y a tout juste 11 ans, ils ont lancé des attaques concomitantes contre les 5 palmeraies dont la ville de Barda est la plus importante. Barda est ravitaillée uniquement par voie aérienne et les Toubou ont pris l'aérodrome de Barda. Les militaires tchadiens stationnés dans la ville sont menacés de famine. L'attaque lancée par les Toubou est-elle un coup ponctuel, comme on dit, ou une conquête durable? Le gouvernement de N'Djamena est manifestement inquiet. L'accident de Pierre Latte, plus de peur que de mal, semble-t-il, si un champignon s'est élevé hier au-dessus de l'usine Comarex, à côté de l'usine atomique de Pierre Latte, ce nuage n'avait rien à voir avec un champignon atomique. Cela, toutefois, n'empêche pas les syndicats d'être inquiets. Pour eux, les conditions de sécurité dans cette usine, qui appartient à la société Pechiney Usine Kuhlmann, ne sont pas respectées, une thèse que dément la direction de l'entreprise. Quant à l'accident lui-même, il s'est produit lors d'une manœuvre de manutention d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium. On attendait dans le Tour de France un grimpeur aujourd'hui, et bien c'est finalement un sprinter, Dietrich Thurau, qui l'a emporté. La première grande étape de montagne du Tour de France, il fallait franchir trois cols, Aspin, Tourmalet et Aubis, qui a tout de même fait des dégâts dans le peloton. On peut même dire ce soir que le vainqueur du Tour de France 77, et bien ce sera l'un des 14 coureurs arrivés ensemble à Pau, avec une très confortable avance sur le peloton. Le vainqueur du Tour de France, on peut le dire ce soir dès la deuxième étape, est là en effet parmi les 14 coureurs que nous allons suivre dans le dernier kilomètre sur le circuit de Pau. Il y a là De Lille, qui est au commandement pour l'instant. Il y a là aussi un Allemand, Thurau, le porteur du maillot jaune. Deux Belges, Merckx et Van Imp. Deux Hollandais, Kuiper et Zoutmelk. Trois Espagnols, Galdós, Ara et Andiano. Et six Français, De Lille donc bien sûr, Laurent, Thévenet, Vilmian, encore lui, Mellet et Rouxel. Il y avait trois cols à franchir aujourd'hui, Aspin, Tourmalet et Aubisque. C'est la première fois dans l'histoire du Tour de France que la montagne est proposée aux coureurs dès le deuxième jour. On attendait donc beaucoup de cette étape des Pyrénées.
et elle a tenu ses promesses car on retrouve au commandement les meilleurs de ce tour, les favoris en quelque sorte, à une exception près peut-être, celle de l'Espagnol Ocaña, dont les ambitions, il est vrai, sont limitées cette année. Pendant que les 14 coureurs de tête approchent de l'arrivée, sachez que c'est l'Espagnol Balaguer qui est passé en tête au col d'Aspin. Van Himp, lui, a franchi le Tourmalet le premier et ils étaient 14 pratiquement ensemble à l'aubisque. Ils ne seront pas rejoints car les écarts sont considérables derrière les favoris. Les premiers poursuivants sont à 10 minutes, Ocaña à près d'un quart d'heure. Mais la surprise ce soir a encore failli venir du français Vilmian, que vous allez voir à gauche, déjà vainqueur hier à Auch. Il a failli récidiver sur le coup de 18h, battu seulement sur le fil par le maillot jaune Puro, décidément remarquable lui aussi. Pendant que vous allez regarder le ralenti, je vous rappelle que Puro portera encore le maillot jaune demain de Oloron à Vitoria en Espagne. En effet, au classement général, il compte 8 secondes d'avance sur Merckx, 2e, 13 secondes sur Laurent, 3e, et 14 secondes sur Van Himp, 4e. Tout cela, Wimbledon, le Tour de France ou bien le 100 mètres plat, voilà des sports réservés à une élite sportive. Et les autres, me direz-vous? Eh bien les autres, c'est-à-dire vous ou bien votre voisin, vous jouerez peut-être à une activité sportive moins épuisante. Alors, je vous invite à pointer le cochonnet. Eh oui, la pétanque. Sport, activité de détente, jeu dangereux parfois pour le portefeuille éventuellement, lancer en tout cas des boules d'acier, quoi de plus reposant lorsqu'il fait bien chaud et que l'on est en vacances. Aujourd'hui, un Français sur 5 joue à la pétanque. Elle n'est pas seulement l'apanage des Méditerranéens, et s'il flotte toujours un parfum d'anis autour d'elle, on ne peut pas ignorer que la pétanque est aussi un sport pratiqué par 400 000 licenciés, que c'est à l'occasion une activité interlope, et d'autre part, une industrie florissante pour les fabricants de boules. Son secret tient en peu de mots. Ça se joue partout. Dans un chemin noisetier, dans un morceau de terrain, n'importe où, pourvu qu'il fasse 10 mètres de long. Voilà, à mon avis, pourquoi la pétanque a connu et connaît ce si grand essor, et même au-delà de la France. En effet, la boule d'acier inoxydable a déjà séduit 21 nations, de l'Angleterre au Canada, en passant par l'Australie, l'Afrique, les États-Unis et tous les pays d'Europe. Les conditions sont presque réunies pour l'entrée de la pétanque aux Jeux Olympiques. Pour obtenir ces boules parfaites, objet d'une rare précision, il ne faut pas moins de 18 opérations de fabrication et 10 opérations de contrôle. Il existe aujourd'hui en France une dizaine d'usines spécialisées qui produisent 1 million de boules par an, soit un chiffre d'affaires de 4 milliards de centimes. Le poids d'une boule est variable, mais se situe aux environs de 700 grammes. Certains joueurs, plus truands que les autres, les truquent et leur donnent une stabilité plus grande en introduisant à l'intérieur 20, 30 ou 40 grammes de mercure. Cette pratique est évidemment interdite. Une autre préoccupation de la fédération, les joueurs du dimanche, qui veulent ignorer que la pétanque est parfois dangereuse et qu'une maladresse peut entraîner un accident. Si tous ceux qui ont une paire de boules dans leur voiture avaient une licence, et nous y arriverons certainement, eh bien c'est plusieurs millions de licenciés qu'il y aurait à la Fédération française. Oui, la licence est en même temps l'assurance, et ça c'est important. Ah oui, tous ceux qui sont licenciés sont couverts en cas d'accident, causé en partie amicale ou d'entraînement, ou bien entendu en partie officielle, de tout accident qu'ils peuvent occasionner. Les compétitions richement dotées sont le plus souvent remportées par des champions mercenaires qui empochent les mises des petits joueurs. C'est inadmissible pour quelques milliers de pétanqueurs nordistes qui ont créé une fédération nationale dissidente. C'est beaucoup dire dissident, ça semble la guerre. Alors que la pétanque ce n'est qu'un sport. Ce n'est pas une dissidence, c'est plutôt un renouveau d'un sport qui a été un peu venu vers la cupidité alors que nous préférons qu'il vienne vers l'amitié. Ça existe la mafia, la pétanque ? Eh bien sûr, cette mafia est certainement montée du sud puisque elle progresse avec elle. On essaye, nous, de l'éliminer justement par en faisant jouer le maximum de néophytes et en donnant le maximum de l'eau. C'est l'amateurisme le plus parfait. On essaye justement de faire cette pétanque de famille dans une ambiance chère à tous ici dans le Nord. Dans mon club à Lille, j'ai 52 vétérans. 52 vétérans, il y en a de 1903, 1904, 1900, enfin de 1900, des vétérans. Des vétérans, mais peu de femmes sur les terrains de pétanque. Il faut les chercher. C'est un sport un peu misogyne, c'est exact, parce que nous avons un peu de peine à voir toutes ces dames qui sont charmantes au demeurant, mais qui se tiennent mal. Cela dit, nous sommes bien contents de les retrouver après.
Tini, champion du monde et champion de France 76, ainsi que Bébert de Cagne, depuis 30 ans la vedette incontestée de ce sport, ne connaîtront pas cette année les arènes gonflées de 5000 Parisiens en délire qui assistent à la finale du championnat 77 dans le parc paysager de la Courneuve. C'est Robert Lebeau qui s'apprête, après un point de Bergès, à tirer ici la boule de match. Il va au rond. Il se concentre. Il tire. C'est fait. Il remporte son cinquième titre avec ses coéquipiers Henri Mattei et Jean Pan. Les détracteurs de la pétanque, qui n'ont jamais considéré ce jeu comme un sport, seront peut-être étonnés de voir autant de monde passionné par d'aussi petites boules. Tous les adeptes de la pétanque peuvent se réjouir. Le temps demain leur permettra d'assouvir leur passion. Le ciel sera en effet dégagé et le soleil brillera presque partout. Toutefois, au cours de la journée, des nuages feront leur apparition des Pyrénées et du Languedoc au sud du Massif central et au littoral atlantique. Il fera plus chaud, beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. À 23h35, c'est Bernard Marchetti qui vous présentera notre dernière édition. Bonne soirée à tous.